Objet nombre SCP-30. Humonculus. Classe sueur. Procédure de confinement spécial. SCP-30 doit être maintenu au site 17 au sein d'une cellule de confinement pour humanoïdes modifiés. Des adaptations mineures pour accommoder la cellule à sa stature sont requises, telles qu'une table de travail et une chaise à échelle appropriée. Et l'éclairage de la cellule pourra être altéré à la demande de SCP-30 jusqu'à un maximum de 2000 lumens via un simple variateur de lumière. Dans le cas où il serait nécessaire de rendre SCP-30 inerte, le personnel pourra éteindre l'éclairage grâce au variateur externe et tirer des rideaux intégralement opaques si besoin. Et l'équipement standard de vision nocturne est disponible pour l'observation de SCP-30 dans son état inerte. SCP-30 est en mesure de demander du matériel pour sa recherche personnelle tous les 90 jours. Tout matériel ayant fait l'objet de la requête précédente doit être récupéré et détruit préalablement à la livraison du nouveau matériel. Tout matériel doit être évalué et scanné par les personnels de recherche et de sécurité. SCP-30 doit être privé d'accès à toute revue ou texte scientifique moderne, et les œuvres de fiction autorisées à SCP-30 se limitent à celles produites antérieurement à 1623 AC pour préserver l'intégrité de sa connaissance innée. Le personnel souhaitant s'entretenir avec SCP-30 par écrit devra déposer une requête formelle document nombre 030-RSB auprès du chercheur superviseur en fonction. Toute correspondance doit être conservée. Le personnel souhaitant s'entretenir avec SCP-30 en personne devra soumettre une requête formelle à l'administration du site document nombre 030-RPA, 17 à 30 à au moins 30 jours au préalable de leur date de consultation choisie. Tout entretien doit être enregistré et conservé. Le personnel de recherche senior peut demander à SCP-30 d'être temporairement retiré de son confinement pour un maximum d'une heure pour fournir un aperçu observatoire en présence de matériel ou au cours des événements non restreints au sein du site 17. SCP-30 ne doit quitter l'enceinte de confinement du site 17 sous aucun prétexte. Les demandes doivent être remises en personne au personnel des administrations et de sécurité du site au moins 30 jours au préalable de leur date d'observation hors cellule choisie. Tout événement des observations hors cellule doit être enregistré et conservé. SCP-30 a été équipé d'un dispositif de suivi à distance code de contrôle inventaire nombre 030171. Sa position dans l'enceinte du site 17 peut donc être déterminée avec précision à tout moment. Description: SCP-30 semble être un humain glabre, asexué, au teint gris, mesurant 71 cm 28 pouces de haut et pesant 1,70 kg. Ses yeux bleus solides sont dépourvus des iris ou de paupières discernables et ressemblent à de petits saphirs taillés. SCP-30 possède une voix androgyne avec un accent anglais prononcé actuellement identifiable à aucune région moderne. Il est capable de lire, écrire et de converser en grec ancien, latin, italien, anglais, espagnol et portugais ainsi que deux langues supplémentaires qui n'ont pas encore été identifiées malgré l'insistance de SCP-30 sur le fait qu'elles devraient faire partie de la culture générale. SCP-30 a également fait preuve de connaissances en physique, chimie, astronomie, mathématiques et horticulture à peu près équivalentes à celles d'un certifié d'éducation académique du XVIIIe siècle. De plus, SCP-30 a fait preuve de connaissances sur ces sujets au travers de propos de recherche qui n'apparaissent nulle part dans les registres historiques. Ces approches alternatives ou totalement inconnues de la recherche en sciences naturelles sont une des sources des utilités de l'entretien avec SCP-30. SCP-30 reste actif tant qu'une source de lumière de 15 lumens ou plus est située dans un rayon de 1,5 m 5 pieds. En l'absence de lumière, SCP-30 devient inerte, perdant apparemment conscience et ne montrant aucun signe de vie extérieure. Après 5 à 10 secondes de réexposition à la lumière, SCP-30 redevient actif, semblant sortir d'un léger sommeil quelle qu'ait été sa période d'inactivité.
SCP-30 ne semble pas nécessiter ces périodes d'inactivité, à l'instar d'un humain qui nécessiterait le sommeil, et a exprimé le désir de rester actif aussi longtemps que possible. L'analyse biopsique de SCP-30 reste non concluante. Bien que des argiles originaires des comtés anglais de Surrey et du Grand Londres forment la majorité de sa structure, des traces de mandragore, Mandragora officinarum, de soude, de mercure et de sang humain ont été trouvées dans chaque échantillon prélevé. SCP-30 a exprimé qu'une exploration chirurgicale complète pour déterminer son fonctionnement pourrait potentiellement mettre fin à son existence. Les échantillons prélevés sur SCP-30 ne se régénèrent pas et l'échantillonnage est actuellement interrompu pour préserver son intégrité. Bien que SCP-30 puisse être endommagé, il ne semble pas ressentir la douleur et remodèlera simplement toute portion de son anatomie ayant subi une déformation. Notamment, SCP-30 ne peut pas être directement remodelé par des mains humaines, cependant tout type d'instrument peut être utilisé pour altérer sa surface. SCP-30 ne pratique pas la respiration, ne requiert aucune soutenance alimentaire et ne produit aucune déjection, cependant il fait parfois la demande irrégulière d'un bain. SCP-30 fait référence à lui-même en tant que Ariel et demande régulièrement au personnel de faire de même. Les questions concernant la création et le S-créateur S de SCP-30 ont pour réponse routinière la même assomption vraisemblablement récitée par cœur, on aime à demander d'oublier cette information. Terriblement navré, SCP-30 récite cette réponse sur le même ton et dans la même cadence à chaque fois qu'il lui est posé une question concernant ses origines ou son créateur. SCP-30 fut découvert le 12 juin lors d'une fouille archéologique importante au London East Mortlach District, sujet à la construction planifiée d'un parking pour voitures. Il était enterré approximativement 2,7 m 9 pieds en dessous du niveau de la rue, contenu dans un petit sarcophage de pierre. Le sarcophage ne portait aucune inscription ou symbole et fut présumé être le cercueil d'un enfant décédé car des tombes supplémentaires furent découvertes dans la zone de fouille. Le couvercle du sarcophage fut brisé lors de l'excavation, exposant SCP-30 à la lumière du jour. SCP-30 passa alors de son état inerte à un état d'activité casuelle en l'espace de quelques secondes, déclarant « Bonsoir à l'équipe du chantier rassemblée ». Un membre des forces de reconnaissance du Grand Londres de la Fondation fut convoqué en quelques heures et prit le spécimen en charge sans résistance. Le faible nombre de témoins fut administré des amnésiques et relâché. Addendum caché document 030C, compte rendu de la sécurité de SCP-30. 14 septembre, système de suivi installé pour SCP-30. 21 décembre, SCP-30 reporte un dysfonctionnement de son propre système de suivi. Réparation achevée en 6 heures. SCP-30 a offert son assistance, mais celle-ci fut déclinée pour des raisons de sécurité. 13 mars, SCP-30 effectue un séminaire de 18 semaines sur la langue inconnue Alpha Zephyr, 5 chercheurs du personnel considérés comme parlant de manière fluide. Lexicographie transmise à LO5. 2 juillet, lors d'une consultation, le chercheur fait plusieurs remarques par inadvertance à propos de la technologie photovoltaïque. Consultation interrompue avant que le chercheur ne puisse substantivement élaborer. 12 août, SCP-30 demande une dose de magnésium et indique qu'il compte mettre feu à des échantillons pour étudier la lumière produite. Demande déclinée par les chercheurs. 14 novembre, incident 31, utilisant seulement ce qui semble être du terreau de jardinage, du gingembre zingibé officinal, un échantillon de 72 g de quartz rutilé et 23 cm de fil de cuivre embobiné, SCP-30 produit un objet dispositif capable d'émettre des niveaux non négligeables de rayonnement ultraviolet par des moyens inconnus. Dispositif confisqué. Effet actuellement non reproductible sans et l'intervention directe de SCP-30, chercheur actuellement en entretien pour juger si SCP-30 peut être autorisé à poursuivre dans ce sujet de recherche. Il est spéculé que SCP-30 travaille en but de provoquer une manifestation alternative et possiblement anomalique de l'effet photoélectrique après n'avoir reçu qu'une quantité minime des informations concernant son existence. Toute recherche menée par SCP-30 suspendue et tout matériel confisqué en est l'attente d'un examen.
Thank you.